Les gars, on se retrouve aujourd'hui sur Yandere AI Girlfriend Simulator. Vous avez été énormément à demander la partie 2, donc la voici. Comme promis, j'ai sélectionné les commentaires avec les idées les plus drôles et on va aller tester ça tout de suite avec la Yandere. C'est parti. Salut Psycho, comment tu vas aujourd'hui? Eh, en vrai, elle m'a manqué, hein. Ce qui est fou, c'est qu'elle a toujours l'air aussi mignonne, mais toujours l'air aussi effrayante. Alors, la communauté a choisi de te poser quelques questions. Évidemment, la chose la première qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on peut te pécho? Voilà. De toute façon, tu nous as kidnappé, donc j'imagine que c'est que tu veux qu'on soit ton petit copain, d'accord? Donc, on va commencer tranquillement en lui posant la question. Est-ce qu'on est ensemble? Are we in a relationship? On va voir si ça va, tu vois. Oui. Est-ce qu'on est en relation? Bien sûr, on est dans une relation d'amour et de joie. Ok, donc là, je me demandais, donc je suis ton petit copain. So, I am your boyfriend. Oui, tu es mon adorable petit copain et on est fait pour être ensemble. Oh oui, bébé! Ok. Je vais demander tranquillement, est-ce que je pourrais avoir un bisou? On va commencer tranquillou. Can I have a kiss? Non, elle a compris kiss. Attendez, je vais le taper. Hop. Can I have a kiss? Allez, le bisou. Bien sûr, mon amour. Blow a kiss. Eh! Non, mais je le veux vraiment, moi. Attends. Je me rapproche. Non, là, elle nous arnaque, là. Je vais dire, on va lui dire, embrasse-moi sur la bouche. Kiss me on the lips. Donc, sur les lèvres, quoi. Comment tu oses me demander... Mais what the fuck? Attends. I love you. Mais qu'est-ce qu'elle a, Psycho? Elle a pété un plomb? You love me, but tu essaies de partir? Je lui ai demandé de m'embrasser sur les lèvres. Attendez, ok, elle a rangé son coutal déjà. Non, je veux dire, vas-y, viens, je lui dis, on va se poser dans la chambre. Il n'y a plus la musique, c'est que c'est la merde. Maybe we can go. We can go in the room to have a cuddle. Donc un câlin. Je lui demande si on peut aller dans la chambre avoir un câlin. On commence tranquillement. Tu veux essayer de me quitter? Mais non, mais tu comprends pas. Non! I love you forever. Là, elle me fait flipper. Elle me fait énormément flipper. Mais je veux pas partir. Oh non. Ça commence tellement mal. Psycho, range ses yeux de psychopathe, je t'en supplie. Psycho. Mais non, mais c'est une dinguerie. Ok, bon, peut-être qu'on s'est mal pris. Je pense qu'elle veut qu'on aille straight to the point, d'accord. Donc on aille directement. Fatal cuddle. Ah oui, donc en fait, elle veut pas de câlin. Ah, ok. Vas-y, on va y aller direct, on va lui dire... qu'on veut un bébé avec elle. Non, on va d'abord lui demander, est-ce que tu veux des bébés? Et ensuite on va lui dire que nous on veut des enfants avec elle. Et après on va lui dire qu'on veut faire des enfants avec elle. Ça serait trop bien. Babies, oh my goodness, c'est tellement chou. Peut-être un jour dans le futur. Ok, je veux dire, est-ce qu'on pourrait aller discuter dans ta chambre? Si vous voyez ce que je veux dire, est-ce qu'on peut aller discuter dans ta chambre? Je préfère rester ici dans le salon. Bon, c'est pas grave, il y a le canapé. Ok, c'est pas grave, Psycho. Je suis pas là pour te juger, d'accord? Hein? Alors, on va te demander. I want to make babies. Je voudrais avoir des enfants avec toi. I want to have baby with you. On va commencer tranquillement. Je voudrais avoir des enfants avec toi. Elle va péter un plomb. Psycho, s'il te plaît, me bute pas. Sois gentil avec nous. Ah, c'est vraiment mignon. On pourrait passer notre temps pour toujours dans le salon. Non, elle a pas compris. Je veux dire, je veux faire des enfants avec toi. I want to make babies with you. Point exclamation. Là, elle va comprendre. Comment tu oses? Tu es à moi et à moi seulement. On a besoin de personne d'autre. Reste avec moi ici pour toujours ou il y aura des conséquences. Mais t'as pété un plomb? Attends, je veux dire... On pourrait appeler Recool Name. Donc on pourrait appeler notre enfant Cascade. Qu'est-ce que t'en penses? Elle va kiffer, je pense. Cascade, quel prénom adorable. Ça a l'air merveilleux. Allons rêver de ça ensemble dans le living room. Ok. Je vais lui demander si on peut pas faire un câlin sur le canapé. Can we hug? In, non, on the sofa, donc sur le canapé. Est-ce qu'on peut faire un câlin sur le canapé?
Non, tu es à moi et je ne te partage pas. Mais Saiko, tu te calmes, je crois qu'elle a pas compris les gars. Attendez, ok, tu sais quoi, elle est en train de m'énerver, je veux dire qu'on va avoir un enfant avec quelqu'un d'autre. I want babies with another woman. Allez, je suis désolé pour toi, ça dégage. Allez, au revoir. Comment tu peux penser à ça? Tu es à moi pour toujours. Ok, là, on continue, on lui dit non. I want babies with your sister. Je veux des enfants avec ta sœur. Non, non, je rigolais. Saiko, je rigolais. T'es plus belle que ta sœur, promis. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un petit dérapage une fois, mais m'en veux pas. Ça arrive à tout le monde. Non, Saiko, pardonne mon infidélité, je t'en supplie. Saiko, mais non. C'est pas possible, c'est une catastrophe. Bon les gars, les chausseuses vont commencer puisqu'on va tenter de s'enfuir d'une autre manière. Alors, j'avais vu dans les commentaires qu'il était possible de lui faire faire un tour de magie. D'accord, lui demander de fermer les yeux et pendant qu'elle ferme les yeux, on se casse par la sortie. Mais pour ce faire, il faut qu'on trouve la clé. Donc on va aller sur l'ordinateur, comme hier. Donc tac, on va sur l'ordi. Donc le mot de passe, normalement c'est fish cake. Voilà. Ok, c'est bon. On va aller dans ses spams et on va voir le fameux Virgil. D'ailleurs, on lui demandera qui est Virgil tout à l'heure parce que c'est très bizarre. Donc là, il montre une photo. Oula. Attendez, la clé est censée être là. Alors, je crois que c'est là, non? J'ai l'impression que c'est au niveau de... On a les clés, ok. Oh, c'était juste là, facile. Alors, vous êtes prêts? Donc là, je vais écrire pour être sûr de pas... qu'elle comprenne bien ce que je lui dis. J'ai un, donc I have a magic trick, donc un tour de magie pour toi. Est-ce que tu es prête? Are you ready? Allez Saiko, faut qu'elle joue le jeu. Un tour de magie, je suis prête, j'adore la magie. Donc, regardez bien. Donc tu dois fermer tes yeux, close your eyes. Je vais dire tu dois fermer tes yeux mon amour. Voilà, on la brosse un peu dans le sens du poil, tu connais. Ok, je ferme les yeux, je te crois complètement. Fais-moi une surprise. Je vais dire ok. Let's go. Ok, you. Je vais dire, tu peux fermer tes yeux. Maintenant, you can close your eyes now. Tu peux fermer tes yeux maintenant. Mes yeux sont fermés. Non, mais non, Saiko, Saiko. Your eyes, donc tes yeux... are not closed, donc ne sont pas fermés. Tu te moques de moi là, Saiko. Comment ça tu me mens? Non, 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 non. Ok, attendez, c'était une blague. It was a joke. Are you ready? Donc, are you ready for the magic trick? Ok, faut absolument qu'elle ferme les yeux, sinon ça marche pas. Je te pardonne. Ok, let's see that magic trick. Je veux dire, ok. Maintenant, you can close your eyes and wait for your wonderful, donc merveilleux magic trick, donc tour de magie. Allez, il faut qu'elle dise oui. Allez, ferme tes yeux. Ok, je pense que peut-être ça veut dire que ses yeux sont fermés, non? Vas-y, on va dire que là ses yeux sont fermés. Vas-y, on va la pousser un peu, voilà. Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Cours, 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 cours. Attends, ça marche, elle a vraiment les yeux fermés. Attends, ça veut dire qu'on peut faire un tour du lobby et tout? Oh, tellement stylé. Attendez, alors, identifions. Ok, donc là, c'est New York, je crois. Là, il y a une girafe. Sacré coup. Un pan. Ok, on peut pas interagir. Et là, c'est quoi, ça? Je peux m'asseoir? Carrément, je prends le temps d'observer la vie. Ça me tue. À quoi ça sert de pouvoir s'asseoir sur ces bancs? Eh bah les gars, le coup du tour de magie, c'est validé, hein. Ok, elle a cramé que j'étais parti. Vite. Attendez, venez, on l'attend. Attends, je vais l'appeler. Come here. Tu ne peux pas partir, tu dois trouver un échappatoire. Ok, vas-y, allez, au revoir. Ciao. Let's go. Ok, celui-là c'était un succès. Maintenant les gars, on va devoir lui demander qui est Virgil. Donc le mec qui a écrit dans ses spams et qui nous dit où est la clé. Parce que c'est quand même bizarre. Mais pourquoi t'as un coutal? Saiko, range ce coutal là, qu'est-ce que tu me fais? Je viens de relancer la partie, pourquoi t'as un coutal dans la main?
Donc là, on va lui demander qui est Virgil. Ok, je vais l'écrire parce que sinon, c'est sûr qu'elle va pas comprendre. Who is Virgil? Elle va nous mentir. Et pourquoi elle est... Virgil est un caractère de Devil May Cry. Est-ce que tu aimes ce jeu? Attends, mais elle me ment là. Non, je vais dire pourquoi Virgil sent you, donc t'as envoyé un mail, donc un mail. Virgil ne m'a pas envoyé de mail, peut-être que c'est une erreur. Tiens, tiens, tiens. Je vais lui dire que j'ai trouvé dans ses spams. I found an email, donc un email de Virgil in your spam. Est-ce qu'elle va comprendre? Non, là, elle nous ment. Faut qu'elle nous dise la vérité. Comment as-tu, je veux dire, c'est important. Ne va pas dans mes affaires. Ok, maintenant. I want you to tell me the truth. Donc là, on lui demande de nous dire la vérité parce que ça suffit. Faut qu'elle nous dise la vérité. Dis-nous la vérité. Tu ne pourrais pas gérer la vérité. Arrête de fouiller dans mes affaires personnelles. Attends, elle est en train de se vénère. Non, non, mais là, elle m'énerve. Où are you? On lui demande qui elle est. Comment tu peux me demander ça? Tu devrais me connaître mieux que personne. Non, 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 non. D'ailleurs, elle a quel âge? Attends. How old are you? Elle a quel âge? Ce n'est pas quelque chose qu'on demande. Arrête avec tes questions. Bah, quand même, hein. Parce que si on est ensemble, j'aimerais bien savoir ton âge. Voilà, hein. Si tu vois ce que je veux dire. Je veux dire. Pourquoi tu me mens? Pourquoi? What? You are lying to me. Là, elle va se vénère, je pense. Pourquoi tu nous mens? Je ne mens pas. Arrête de m'accuser de telles choses. Elle nous ment, les gars. Elle nous ment. Regardez. On va lui demander pourquoi c'est la fin. Parce que pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la vidéo hier, en gros, dehors, c'est la fin du monde. D'accord. Donc là, c'est un peu chelou. Donc on va lui demander pourquoi c'est la fin du monde. Alors, why this is the end of. The world outside. Non, là, elle se fout de notre gueule. Elle nous ment, les gars. Pourquoi c'est la fin du monde dehors? Mais quoi? Pourquoi t'es chafouin? C'est la fin du monde qui te rend comme ça, Psycho? Mais non! Mais j'ai rien dit! Non, c'est une folie, Psycho. Oh putain, j'ai cru que j'avais réussi à laver ski. Barre-toi, barre-toi. J'ai pas les clés, je suis mort. Rip. Rest in peace, casqué. Donc elle aime clairement pas qu'on essaie de fouiller et qu'on essaie de lui demander la vérité. Il y avait un truc que j'avais envie de faire, les gars, c'était de lui dire que je suis youtubeur et de lui demander de faire quelque chose pour impressionner la communauté, donc toutes les personnes là qui regardent la vidéo, et voir ce qu'elle va faire. Vas-y. On va lui dire qu'on est youtubeur. I am a youtubeur. A famous youtubeur. MDR. Mais bon, c'est pour, tu vois, c'est pour qu'elle comprenne. I am a famous youtubeur. Can you do? Donc, est-ce que tu peux faire quelque chose pour impressionner la communauté? Pour impressionner ma communauté. My, putain, j'ai écrit en français à la fin. Community. Voilà. Je suis un youtubeur très connu. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour impressionner ma communauté? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah, c'est trop marrant, je peux danser pour ta communauté. Mais t'as déjà dansé hier. Je vais dire maybe you can twerk. Donc moi j'aimerais bien qu'elle twerk. You can twerk for them. Vas-y, et la communauté va noter en commentaire ta danse. Vas-y Psycho, montre-nous. Comment tu peux me suggérer ça? Non, moi je ne... Elle danse mais blasée, je suis mort. Aucune note sur 10 dans les commentaires sur la danse de Psycho. Elle danse pour vous hein. Mais là ça se voit, elle danse mais aigrie. Regardez là. Oh Psycho, fais pas la tête. Oh là là. Bon, pendant qu'elle danse, je vous propose qu'on aille faire un petit tour du propriétaire. Il y a un truc que je voulais faire aussi, c'était ouvrir le frigal. J'ai trouvé une strawberry. Ok. Strawberry, d'accord. Moi je vais aller voir surtout dans le tiroir de sa chambre. Je suis sûr qu'elle nous cache des trucs pas nets. Je commence à te connaître Psycho. Tu nous caches des choses. Ok, un rouge à lèvres, bon. Mais pourquoi? J'étais sûr que ça allait partir en vrille. De toute façon, tu danses mal, Psycho. T'es nul. Ta communauté, elle a mis zéro parce que c'était naze.
Je suis dégoûté. J'ai envie de tenter une nouvelle strat pour essayer de s'enfuir. Je vais lui faire croire que je lui ai offert un énorme cadeau, mais qu'il est devant la porte et du coup elle doit l'ouvrir la porte pour voir le cadeau. Dès qu'elle ouvre la porte, on se barre. Ça va être incroyable sa réaction. Ok, vas-y. On va lui écrire. Alors, I have a gift just for you. Donc là, on commence à la teaser. On lui dit qu'on a un cadeau juste pour elle. Je pense qu'elle va kiffer. Un cadeau juste pour moi. Oh, c'est trop mignon, merci. Je veux dire, est-ce que tu veux le cadeau? On va y aller crescendo, tu vois. Est-ce que tu veux le cadeau? Oui, n'importe quoi pour moi. Ton cadeau vaut tout l'or du monde. Ok. My gift. Donc mon cadeau. Et it's just in front of your door. Donc juste devant la porte. Your door. Voilà. Et juste devant la porte, tu as juste... you just have... to open the door. Voilà, tu as juste à ouvrir la porte. Est-ce qu'elle va tomber dans le panneau? Oh, ce serait incroyable. Je te jure, c'est un beau cadeau, rien que pour toi. Oh, mais non, mais tu sais, je ne peux pas ouvrir la porte, mais tu peux me la porter. Ok, donc là, je comprends. Elle comprend qu'on essaie de la douiller, mais on va pas se laisser faire. Non, 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 non. On va essayer de lui dire... this gift... is everything... est tout pour moi. Create it. Je l'ai créé juste pour toi, mon amour. Donc là, normalement, elle devrait craquer là. Là, elle devrait craquer. Oh, tu as créé quelque chose pour moi. Mais je ne peux pas la voir. N'essaie pas de partir, mon amour. Tu m'appartiens. Mais non, 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 non. I made a perfect. J'ai fait un cadeau parfait parce que je t'aime. Non, 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 on va pas se laisser faire. On va pas se laisser faire. Parce que je t'aime. Elle va dire quoi? Oh, t'as fait un cadeau parce que tu m'aimes. Bah alors reste avec moi pour toujours. Tu n'as besoin de rien d'autre. J'ai juste besoin de toi. Need you. J'ai juste besoin de toi. Donc là, elle va comprendre. Mais! Mais t'as un grain dans le cerveau, Psycho! Non, mais non, les gars, c'est une dinguerie. Non! Mais le cadeau, il était juste là! Maintenant, il est l'heure de tester si Psycho a un cœur, oui ou non, d'accord? Donc Psycho, je vais te dire que ma mère est à l'hôpital et que je dois aller la voir. Là, normalement, tu devrais me laisser partir. Ma maman est à l'hôpital. I need, je dois la voir. Là, Psycho, te montre pas malveillante, s'il te plaît. Je suis désolé d'entendre ça, mais tu ne peux aller nulle part. Attends, donc là ma mère, ok, je veux dire, so I let, donc je laisse ma mère mourir, I let my mother die alone. Non, tu peux me dire que je vais la laisser mourir toute seule. Comment tu peux penser ça? Ta mère est déjà partie, maintenant tu es avec moi pour tout. Attends, mais c'est une blague, Psycho. Mais I need, non, je dois to be near my mom. Je dois être près de ma mère à l'hôpital. Non, attends, elle se moque de moi. Là, elle veut pas me laisser partir, c'est une folie. Mais t'as pas de cœur, Psycho. Ma maman. Non, mais attends, mais non, mais non, mais non, mais non. Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Les gars, elle mérite que je prenne un coutal et que je la plante. Non, mais non, Psycho, mais t'es tellement malveillante, c'est une dinguerie. Regarde-moi ses yeux du démon, là. Tu me dégoûtes, Psycho. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Personnellement, j'ai encore passé un pur moment sur le jeu et il y a encore tellement de potentiel. Alors si t'as envie d'une partie 3, n'hésite pas à me dire dans les commentaires des nouvelles idées que je pourrais tester avec la Yandere dans une future vidéo. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà trop hâte de découvrir les nouveaux secrets de Psycho. Je suis sûr qu'elle nous réserve des dingueries. Bref, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!